Je pense qu'en première mi-temps, on a eu un peu de mal à retrouver le rythme qui était le nôtre avant cette pause de 2 semaines. Et on s'est vite rendu compte qu'on faisait vraiment une très mauvaise première mi-temps et qu'au final, on était juste à un but derrière et que du coup, absolument rien n'était terminé et qu'il fallait relancer et se remettre dedans. On a réussi à trouver notre rythme rapidement en deuxième mi-temps et je pense que c'est ce qui nous a permis aussi de creuser l'écart. Défensivement, quels ajustements vous avez fait ? Brest a beaucoup marqué à 8-9 mètres en première période. En seconde mi-temps, vous les avez asphyxiés. Ouais, bah c'était leur point fort. On avait du mal, relation gardienne contre, etc. On a décidé d'être bien plus compact et de toucher plus et de plus jouer le contre. On a aussi ajusté avec les gardiennes et ça s'est vu sur la prestation d'Atadou en deuxième mi-temps. Elle a été en seconde période infranchissable. Je crois que j'ai compté 13 arrêts, il me semble. Alors je ne sais pas le nombre d'arrêts, mais c'est vrai qu'elle a été exceptionnelle. Toutes les fois où on s'est fait avoir, où on s'est troué, elles étaient à 6 mètres, elle a tout arrêté, que ce soit les pénaltys, les tirs d'élire, de pivot. Elle a été partout et c'est vraiment génial. Parce qu'elle aussi, en première période, un peu à l'image de l'équipe, elle était en difficulté, elle n'a peut-être pas forcément été décisive. Par contre, en deuxième mi-temps, elle a fait la différence. Oui, c'est ça, c'est une grande joueuse. Elle a réussi à remonter la pente malgré sa première mi-temps, entre guillemets ratée, même si bon, c'est juste qu'elle n'était pas exceptionnelle. Et elle a réussi à revenir et on avait vraiment besoin d'elle pour gagner ce match. Est-ce qu'il faut vous féliciter pour le titre ce soir ? Non, je pense pas encore parce que c'est pas officiellement acté. Après, on a encore 6 ou 7 journées pour valider, donc on va y aller fort, on va tout faire pour gagner le plus rapidement possible. C'est tout comme ? Non, c'est pas tout comme. Enfin, on sait jamais, tout peut arriver, on peut rater des matchs et puis vite se retrouver à 2 matchs où il faut absolument les gagner. Donc on se projette pas pour l'instant, on reste calme et on verra. Pour en venir au match de ce soir, vous vous attendiez quand même à une telle... on peut le dire, une démonstration comme ça en deuxième mi-temps. 16 à 5, vous la remportez cette deuxième mi-temps ? Non, pas du tout. Déjà, de base, on s'attendait à un gros match. Évidemment, on compare Brest à Gior, Esberg et Bucarest. Donc, on s'attendait à vraiment un très gros match jusqu'à la dernière seconde. Et puis, quand on voit le score à la mi-temps aussi, on se prépare à vraiment batailler jusqu'à la dernière seconde. Et au final, on arrive à creuser l'écart rapidement et ça fait vraiment du bien. C'est difficile à dire comme ça après un match, mais est-ce que ça vous fait du bien d'être challengé comme ça, malgré une mauvaise première mi-temps, d'être poussé dans vos retranchements pour jouer votre meilleur handball ? Ouais, je pense que ça aide aussi, le fait qu'on soit un peu derrière, ça peut aussi être une sorte de motivation pour aller plus loin, et la preuve, on a réussi à revenir, et c'est bien aussi d'avoir tous les scénarios possibles pour la suite des compétitions. Il y avait un match dans le match entre Pauleta Foppa et toi, si je puis dire. L'avenir du poste de pivot en équipe de France, on peut dire que ce soir, t'as remporté la bataille, si on peut dire ça comme ça. Comme j'avais déjà dit, je pense qu'il n'y a pas de match entre Pauleta et moi. Elle joue pour Brest, je joue pour Metz et c'est tout. On se bataille en équipe de France, mais c'est pour être ensemble au poste, donc on n'est pas forcément en concurrence. Je n'ai pas fait attention à sa prestation, très sincèrement. J'ai plus fait attention à la prestation de Brest en général. La bataille ce soir, tu l'as menée en défense et en attaque, t'étais partout ce soir. J'ai essayé de tout donner, je m'entraîne, ça fait 2 semaines que je m'entraîne pour ce match, alors il fallait quand même pas le rater. J'ai de la chance d'avoir beaucoup de temps de jeu, donc il faut que je prouve que je suis là partout.